courte présentation avant de commencer. Bonjour, mon nom est Anita. Je suis une étudiante en troisième année de l'informatique. Maintenant, je suis la vice-présidente d'affaires externes de l'Association des étudiants en informatique, ou l'AEI. Et lors des prochaines élections, j'aimerais vous représenter comme présidente de l'AEI pendant le mandat de 2017 à 2018. Ayant été vice-présidente de l'affaires externes, j'avais organisé des événements comme la semaine 101, des entretiens techniques et des soirées sociales. Et j'ai été organisatrice principale de la foire de carrière en janvier, que j'espère que beaucoup d'entre vous ont assisté. En tant que présidente, je veux continuer à consacrer mon temps à rendre ces événements possibles. Je pense que cette année, nous n'avons pas inclus les étudiants francophones. Donc l'année prochaine, j'ai l'intention d'entrer activement en contact avec vous avec que vous puissiez nous aider à décider quels événements à exécuter. De plus, comme vice-présidente d'affaires externes et ayant eu 2 emplois en informatique, j'ai fait de nombreuses connexions dans l'industrie. Donc, je voudrais attirer plus de professionnels pour vous donner des opportunités de faire le réseautage. Ainsi, si la recherche est quelque chose qui vous intéresse plus, j'ai aussi l'expérience avec la recherche de premier cycle. Si vous voulez obtenir l'information liée à cela, je vais vous obtenir ces ressources. Je pense que la chose la plus importante que je peux faire en tant que présidente est de vous procurer les meilleures expériences dans le programme que vous pouvez. Je sais que bon nombre d'entre vous viennent des différents milieux techniques et sociaux et je veux mobiliser toutes les ressources de l'AEI pour vous offrir des espaces d'études et de programmes efficaces, ainsi que des espaces de rencontrer pour communiquer avec les autres membres de l'AEI. Ce serait mon privilège de vous représenter. Alors, les élections seront le 29 et le 30 mars de 10h à 19h. Alors, s'il vous plaît, venez voter. Et pendant que vous êtes là, s'il vous plaît, votez Anita Popescu comme présidente. Merci. Est-ce que c'est écrit correctement? Oui, de 10h à 19h. De 10h à 19h. Excellent. Merci beaucoup. Bonne chance. OK. Impressionnant le froid aujourd'hui. Oui. Oui, hein? Le prof, juste avant, m'a dit, « Ah, moi, j'avais juste 30 % de mes étudiants. » Je dis, « Non, moi, j'ai pas d'inquiétude. Je compte sur eux. Ils sont toujours là. » Donc, ouais, c'était assez froid. Donc, je vous encourage, si vous êtes en informatique, à participer aux élections. Anita était vraiment et encore une excellente étudiante. Je pense que vous seriez bien représentée avec Anita. Je ne sais pas si j'ai le droit de dire ça, là, si ça je... conflit d'intérêts. Who cares? Mais je pense quand même que c'est super important. OK. J'espère que ça va bien avec votre devoir courant. Oui. Check. qu'est-ce que je... Ah oui! Puis, dans tous vos cours, là, si vous ne l'avez pas encore fait, allez évaluer vos profs. C'est important. On va montrer à l'administration que c'est pas parce que c'est électronique qu'on ne va pas évaluer les profs. Est-ce que vous avez des questions pour moi avant que je me lance dans mon programme du jour? Non? Ça va bien? Superbe. Donc, on est dans les listes. On a 4 classes au total qui sont liées aux listes. On en a fait déjà une première classe. Le thème qui est vraiment commun jusqu'à la fin du semestre, c'est qu'on va travailler avec des structures chaînées. Même dans le cas des arborescences, ça va être des structures chaînées. Donc, c'est vraiment important de maîtriser ce sujet-là très, très bien. Au dernier cours, on a regardé une implémentation qui était simplement chaînée, qui était celle-ci. Donc, là où il y a un objet de la classe « linked
list possède une variable d'instance head de type node qui pointe donc vers des objets de la classe node qui possède une variable value, celle du haut, ici, et une variable next. Donc, tous les objets ronds sont des objets de la classe node. Ils sont connectés les uns aux autres. Puis, on a regardé cet exemple-ci où on voulait retirer un élément par contenu. Quand je dis par contenu, ce que je veux dire, c'est on me donne la référence d'un objet. Dans le cas général, je parcours la liste chaînée. Lorsque je trouve un objet dans la variable value qui est equals, au sens de la méthode equals, donc quelqu'un a réimplémenté la méthode equals dans cette classe-là pour s'assurer qu'elle fait une comparaison adéquate. Quand on trouve un tel élément, on le retire. La raison pour laquelle je vous représente ce truc-là, c'est simplement pour vous remémorer l'idée que, avec l'implémentation qu'on avait, il y avait beaucoup de cas spéciaux. Ce qui est la chose qu'il faut avoir en tête quand on travaille avec ces structures chaînées-là, c'est qu'il peut y avoir plusieurs cas spéciaux. Notamment, le cas général, quand on retire un élément, on dit la variable next de l'élément qui précède celui à retirer est transformée de sorte à retirer l'élément. Ça, c'est dans le cas général. Par contre, dans le cas spécial où on veut retirer le premier élément, ce qu'on change, ce n'est pas la variable next de l'élément qui précède, c'est la variable head de l'en-tête. Donc, vous voyez, il y a au moins ces deux cas spéciaux-là. Il y a le cas, peut-être pas les deux cas spéciaux, mais les deux cas, il y a le cas où je fais une modification et c'est une modification qui est prêt immédiatement après l'en-tête. À ce moment-là, je change head. En général, je change point next d'un élément qui précède. Il faut que je sois prudent. Ça se pourrait que ce qu'on me demande de faire ne soit pas possible, c'est-à-dire je voulais retirer un élément, on ne l'a pas trouvé, je me suis rendu à la fin. Donc, il y a énormément de cas spéciaux. Une implémentation qu'on va regarder aujourd'hui va éliminer tous ces cas spéciaux-là. OK, on va aller vers le début de ça. OK. Donc, je vais essayer d'aller quand même à un bon rythme. Donc, il y a des endroits dans la présentation où je vais accélérer puis sauter un peu. Le premier exercice que je veux qu'on fasse ensemble, c'est de comparer une implémentation de l'interface list à base de tableau et une implémentation à base d'éléments chaînés. Celle qu'on va utiliser au début pour linked list, c'est celle qu'on a vue au dernier cours, c'est-à-dire les éléments sont simplement chaînés. L'objet linked list a une variable d'instance head qui pointe vers le premier élément. La classe ArrayList utilise un tableau. C'est un tableau dynamique. Puis on a vu au dernier cours que quand on ajoute aux positions intermédiaires d'une liste qui est implémentée à l'aide d'un tableau, on décale tous les éléments. Si on retire un élément, il faut compresser. Donc, je vous demande de garder en tête l'implémentation parce que ce qu'on veut faire, c'est comparer les vitesses d'exécution de ces deux implémentations-là. Depuis le début du cours, j'ai pas mal insisté en disant on aime implémenter des méthodes telles que l'exécution de la méthode, son temps de calcul, est indépendant du nombre d'éléments. Si on a ça,
on va dire que c'est une implémentation qui est rapide. Son temps de calcul ne va pas se détériorer à mesure qu'il y a des éléments dans la structure de données. C'est une belle propriété à avoir, d'avoir une implémentation dont le temps est constant, rapide. On n'y arrive pas toujours. OK, donc ça, c'est mon implémentation. Est-ce que vous avez déjà en tête un gagnant? Ah ouais? Pas moi, mais c'est quoi ton gagnant? Bien, le tableau dynamique qui est fait comme ce qu'on a fait dans le cours ou à l'examen de mi-session, c'est-à-dire quand le tableau est rempli, je crée un nouveau tableau, je copie tous les éléments de l'ancien vers le nouveau. Ah, OK. Tu me dis si je, à chaque fois je multiplie par 10 la taille du tableau. Mais dans ce cas-ci, c'est un excellent point. Mais je dirais quand même que je vais qualifier cette implémentation-là de lente. Parce qu'il existe des cas où, donc ça va être rapide, 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 rapide. Ah, tableau est plein. Créer un nouveau tableau, il y aura une pause. Donc, ça ne sera pas toujours rapide. Donc, s'il existe des cas où c'est lent, on va dire que c'est lent. On va faire l'exercice. Vous pouvez voir que c'est finalement, il n'y aura pas une réponse aussi super bien tranchée, noir et blanc. OK, donc l'idée, c'est de remplir cette table-là. C'est-à-dire pour chacune des combinaisons, ArrayList ou LinkedList, on regarde les méthodes, puis on dit est-ce que c'est constant ou variable? Donc, constant C puis variable V. AddFirstArrayList. Qu'est-ce que vous me proposez? C'est variable? C'est variable parce qu'il va falloir décaler tous les éléments. Donc, ce n'est pas très rapide. Add first linked list. Constant? Add last array list. C'est variable? Parce que parfois, le tableau va être rempli, il faut que je crée un plus grand tableau, copie tous les éléments de l'ancien au nouveau. Le temps que ça va prendre va être proportionnel au nombre d'éléments qu'il y a dedans. Variable. Add last, linked list, telle qu'elle est présentement. C'est variable, il n'y a pas de pointeur vers le dernier élément. Il faut que je traverse toute la structure. Donc, c'est variable. Ajouter à une position intermédiaire ArrayList. Variable, il faut bouger les éléments à partir du point d'insertion jusqu'à la fin. LinkedList. C'est variable aussi. Il faut se déplacer jusqu'au point d'insertion. Pour se déplacer, on va suivre un nombre de références next proportionnel à pause. Get pour ArrayList. Ça, c'est constant. Finalement, ça, il y a au moins un endroit où c'est bon, cette affaire-là. Linked list? C'est variable. Remove first array list. Non, on ne veut pas de trou. Vraiment, on s'attend à ce que la prochaine fois, je fais un appel, je veux get de zéro, ça me retourne ce qu'il y a là. Il y a eu un décalage. Donc, c'est variable parce qu'il faut bouger tous les éléments. Remove first linked list. Constant. Remove last array list. Celle-là, je dirais, ça dépend. Ouais. Bien, c'est ça. Ça dépend de l'implémentation. Est-ce que c'est une implémentation qui, non seulement voulait s'agrandir aux besoins, mais voulait peut-être aussi diminuer sa taille aux besoins. Donc, l'implémentation dit, wow, j'ai un tableau qui est deux fois trop grand, je vais le rapetisser. À ce moment-là, ce serait variable. Donc, on va mettre peut-être VC, dépendant de comment c'est implémenté. Les chaînées.
C'est variable. OK. Avec ce tableau-là, ce serait quoi vos recommandations? Quand est-ce qu'on souhaiterait utiliser ArrayList? Oui. Si on a beaucoup de lectures à des positions aléatoires. Donc, on a un programme, il tourne, on ajoute des données, puis là, il y a une grande période après où ce qu'on fait, c'est essentiellement des lectures. On consulte. Donc, il y a une période où on a acquis des données, puis après ça, le programme a une bonne durée d'exécution, puis on ne fait que des lectures. On prend avantage du fait que les tableaux sont à accès rapide. Présentement, ce serait quoi votre recommandation pour Linked List? Oui? Ajouter et enlever des éléments à la position de début, c'est rapide. Donc, finalement, ce qui correspond à une pile. S'il y avait une méthode que vous pouvez rapidement accélérer pour Linked List, laquelle ce serait? Ah, Hervé? Je pense pas. Est-ce que. Pas Remove Last. Je vais revenir à Remove Last. Oui? Add Last comme NQ. Dans le cas d'une file à l'aide d'éléments chaînés, Add Last, on a un truc qu'on connaît très bien pour accélérer les calculs. Il suffit, donc je me dépêche. En fait, je vais essayer de sauter directement dans la présentation où je vais aller. Donc, on a une technique qu'on connaît déjà parce qu'on l'a utilisée avec les fils qui nous permet d'ajouter à la fin de façon rapide. Donc, on a ici ajouté dans l'objet. Donc, si j'efface ça. OK, donc ça ici, c'est des objets linked list qui possèdent des variables d'instance head and tail. Dans le cas où la liste est vide, head and tail ont comme valeur la valeur spéciale nulle et sinon, ils désignent des objets node. Donc ici, on voit bien que c'est rapide parce que tail me donne un accès au dernier élément. Je peux faire tail.next est égal à new node. C'est un élément pour sauver des objets de type E. Je vais ajouter un certain élément. Puisque c'est mon nouveau dernier élément, il n'y a pas de suivant. Donc, pour next, c'est nul. Donc, ça me permet de faire ça. Quand on regarde le diagramme, s'il est bien fait, c'est clair. Qu'est-ce qui manque? Oui. Donc, comment je veux déplacer tail, puis je veux qu'il pointe où? Puis je vais l'appeler comment, Java? Tail est égal à tail.next. On vient de déplacer vers l'avant. Tail, il pointe là. Okay, donc, on a ajouté. Là, est-ce qu'avec cette modification-là, on est tous d'accord que add last est maintenant se fait en temps constant? Ici, j'avais 4 éléments dans ma liste, si j'en avais eu des milliers, c'est la même chose. Tail.next égale new node. Tail égale tail.next. C'est indépendant du nombre d'éléments. C'est super rapide. On aime ça. Oui?
Précédemment, on avait le cas où il n'y avait que « head ». Là, on vient d'ajouter « tail », donc on vient d'accélérer l'une des méthodes. Donc, je reviens à mon exercice. OK, donc, juste pour vous rafraîchir un peu, là. Donc, on parle de la classe linked list pour sauvegarder des objets de type E qui implémente l'interface list. On a utilisé une classe imbriquée statique. Présentement, je l'appelle node. Variable d'instance value, variable next. Et là, ce qu'on a fait, c'est l'objet linked list a deux variables d'instance, head and tail, head pointant vers le premier élément, tail pointant vers le dernier. Et donc, notre méthode pour ajouter à la fin, son cas général, c'est tail.next est égal au nouvel élément. On déplace tail de sorte qu'il pointe vers le dernier élément. Cette implémentation-ci a évidemment un cas spécial aussi. Si j'ajoutais à la fin, mais qu'il n'y avait pas d'élément, clairement, je ne peux pas faire tail.next. Ce truc-là va générer une exception de null pointer exception. Dans ce cas-ci, le cas spécial, ce qui va être spécial, c'est qu'il fallait changer head plutôt que le point next d'un élément qui précède. À l'allure? OK, donc là, avec ça, on peut mettre à jour notre tableau. On voit bien que maintenant, il est possible de faire des modifications, d'ajouter au début, de retirer au début, d'ajouter à la fin de façon rapide. Est-ce que la modification qu'on a faite me permet d'accélérer remove last aussi? Oui? J'essaie de trouver un diagramme. OK. J'efface tout ça. Je veux retirer l'objet node qui contient la valeur D. Je peux pas. Je peux pas parce que avoir une référence vers le dernier élément, il n'existe aucune façon de suivre les références à l'envers. Je peux pas dire, je vais aller à l'élément qui me pointe. Ça n'existe pas. Il n'y a pas de mécanisme Java qui nous permet d'aller à l'élément qui pointe vers celui-ci. Donc, on n'est pas capable, ça demeure variable. Il faudrait retraverser la structure de données, s'arrêter à l'élément qui contient C, puis à ce moment-là, ben, ce n'est pas avantageux, c'est variable. Quand on a parlé des fils, pour avoir l'éclair de génie, ajouter une référence vers l'élément arrière, on avait regardé les différents cas, puis on s'était dit, ce qui permet de faire des ajouts puis des retraits rapides à l'avant, c'est d'avoir une référence vers l'élément avant. Ce qui permet de faire des ajouts de façon rapide à l'arrière, c'est d'avoir une référence vers l'élément arrière. J'ai une super idée. Puisqu'il va falloir modifier l'élément qui précède le dernier, j'ai eu l'idée d'ajouter une variable previous dans mon en-tête qui va pointer vers l'élément juste avant. Est-ce que j'ai eu l'idée du siècle? Est-ce que on va me donner un Turing Award ou un Darwin Award? Ou pas d'award?
Non, c'est pas une... pourquoi c'est pas une bonne idée? Ouais. Ben, parce que pour trouver previous, ça reste variable. Parce que cette affaire-là va marcher juste une fois. C'est ça. Donc, si je veux retirer le dernier élément, je vais dire, haha, previous.next est égal à nul. Puis là, je dis, oups, tail est égal à previous. Parfait. Mais là, la prochaine fois, j'aurai besoin d'avoir previous qui pointe là. Puis pour retirer le dernier élément, on ferait previous.next est égal à nul. Tail est égal à previous, mais là, il faudrait ramener previous ici. Donc, si vous regardez ce qu'on vient de dire, pour retirer celui-là, il a fallu que je... Attendez, je vais effacer là parce que ça commence à être un peu difficile à voir tout ça. Donc, ce qu'on vient de dire, c'est pour retirer le dernier élément, il nous fallait avoir une façon d'accéder à l'élément qui précède. Après ça, si on voulait retirer celui-ci, il faudrait qu'on ait une façon d'accéder à l'élément qui précède. Pour retirer celui-là, il faudrait qu'on ait une façon d'accéder à l'élément qui précède. Est-ce que ça donne des idées? Oui, Gabriel? Comme on est dans le g1.next, on pourrait avoir un previous à la place. Ça doit être une variable. On pourrait peut-être rendre ce truc-là formel. Tout comme on a un x, on a besoin d'une variable référence dans chaque élément qui va s'appeler previous, puis qui va nous permettre de pointer vers l'élément qui précède. Quel va être le type de cette variable-là? Node, puisqu'elle va pointer vers un objet node. Et comme next pointe vers un objet node, previous pointe vers un objet node. Si l'implémentation qu'on avait avant s'appelait singly linked list, comment on devrait appeler celle-là? Doubly linked list. Donc ça, c'est une technique qui s'appelle donc... Oups! Doubly linked list, les listes doublement chaînées. Alors, qu'est-ce qu'il faut modifier? Est-ce que la modification se fait dans la classe linked list ou dans la classe node? Principalement dans node. Donc, ce qu'on veut concevoir, c'est une implémentation où chacun des LM a un previous et un next, ainsi que value. Donc, je vous fais le tour du propriétaire. J'ai ajouté previous. J'ai ajouté un paramètre à mon constructeur, de sorte que je peux maintenant initialiser aussi previous, lorsque j'ai construit un nouveau nœud. Et donc, ce n'est pas un très grand changement pour l'instant, sauf que... sauf que ça va être un peu plus compliqué, parce que on désigne le prochain... On désigne le précédent. Il faudra s'assurer que, à tout moment, quand on fait des modifications, qu'on n'oublie pas de corriger un des liens. Donc, c'est ça qui... ça va devenir un exercice un peu de concentration. Donc, on a fait toute cette gymnastique-là pour accélérer remove last. On va s'assurer que ça fonctionne. Je veux tout simplement retirer le dernier élément, puis supposons, pour rendre les choses simples, je ne veux même pas retourner la valeur. Je veux juste retirer le dernier élément de la structure chaînée. OK?
Qu'est-ce que vous me proposez? Oui? OK. Attends un petit peu. J'écris ce que tu me dis. Tail point, whoop, like, tail point previous égal nul attends un peu tu, là tu, je vais dessiner ce que tu viens de me dire. Est-ce que tu connais l'expression « se peinturer dans le coin du mur » Donc là, tu es dans le coin du mur, tu as tout peint le plancher, puis tu dis « Oups! » OK, on recommence. De toute façon, c'est enregistré, hein? Mais j'ai pas dit ton nom. C'est pas comme si tu étais Hervé, là, tout le monde le saurait, mais... OK, donc, on remet ça. Qu'est-ce que tu me proposes? Tail. Tail.previous.next. Qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux mettre ça à nul. Pourquoi tu veux le faire tout de suite? Je peux le faire. Je peux te le faire. Tail. Point previous point next est égal à nul. Je peux faire ça. Mais ouf, c'est un peu, c'est long, hein? Donc, je suis à la recherche de quelque chose d'autre. Je vais effacer à nouveau. Proposition. Oui, toi. Tail est égal à tail.previous. Donc, hop, faut que je dessine. Donc, on veut changer tail. Ce qui reçoit une valeur, c'est tail. Qu'est-ce qu'on lui donne? Tail.previous. Donc, tail va pointer ici. OK. Ensuite? Tail.next est égal à nul. Je mets ça. Je mets la valeur nul dans la variable d'instance next de l'objet désigné par tail. Ouais. On ramène tail de 1. Tail égale à nul. Tail.next égale à nul. Ça vous va? Donc, ouf, ça marche. On a accéléré le calcul. Il est clair que c'est indépendant du nombre d'éléments. Il y en avait 10 000, c'est pas grave. Tail est égal à tail.next. Tail.next est égal à nul. Voilà. Ça marche-tu tout le temps? Ça ne marche pas tout le temps parce que on modifie ici un tail.next. Ça suppose qu'il y avait un élément avant. Donc, le cas où il n'y avait pas d'élément, donc ça, ou le cas où, désolé, le cas où il y avait un seul élément ressemble à ceci. Donc, dans le cas spécial, qu'est-ce qu'on fait? Oui? C'est tout simple. Donc, si une certaine condition est vraie, head égale tail égale nul. Comment est-ce qu'on détecterait cette situation spéciale-là? Où il n'y a qu'un seul élément.
Oui, belle suggestion. Si head.next est égal à nul, alors il y a un élément, mais il n'a pas de suivant. Est-ce que ça aurait fonctionné si j'avais dit head égal à tail? Ça, c'est tentant, là. Si vous regardez ça, c'est vrai. C'est vrai que head et tail pointent vers le même objet. Mais c'est pas une bonne idée. Pourquoi? Normalement, si notre implémentation est correcte, le seul cas où head et tail pointent vers un même objet élément, c'est s'il n'y en a qu'un. Donc, si elle est correcte, ça marche. Oui? S'il n'y a rien dans la liste, head et tail sont nuls. Head et tail sont égaux. Donc, on se fait avoir. OK, donc, vraiment, celle-ci est... Elle est... En anglais, on dirait bulletproof. Là. C'est une bonne implémentation. OK, donc, ça ressemble à ceci. Donc là, on est pas mal en business. On peut ajouter au début ou à la fin. On peut retirer au début, retirer à la fin de façon efficace. Au prochain cours, on va voir une technique pour aussi se déplacer de façon efficace dans la liste. OK. Donc, on a ajouté bien peu de mémoire dans chacun des LM, simplement une référence vers l'élément qui précède, et on a été en mesure maintenant d'accélérer les calculs. On a même maintenant une nouvelle façon de traverser la liste. Je pourrais la traverser du début à la fin, ou je pourrais la traverser de la fin jusqu'au début. Donc, il y a vraiment... Il y a pas mal, on vient d'ajouter là, beaucoup de flexibilité dans notre implémentation. Le but de mon exemple ici, c'est de vous démontrer l'impact de tout ça. L'impact de tout ça, il est vraiment sur le programmeur. Dans le sens où gérer cette complexité-là, un lien vers l'avant, un lien vers l'arrière. Est-ce que c'était le premier élément? Est-ce que c'était le dernier? Vous allez voir que ça demande pas mal de concentration. On ne fait pas ça en ayant YouTube, Instant Messenger, Facebook, tout allumé, avec ses écouteurs sur la tête, on écoute Marilyn Manson, puis on code, là. Ça risque pas de pas marcher. OK, quelles sont les conditions préalables pour implémenter une méthode add qui va ajouter un élément à une position intermédiaire d'une liste doublement chaînée? Donc, j'ai dit, avant de coder une méthode, on réfléchit. Qu'est-ce qui doit être vrai avant d'entrer dans cette méthode-là? Donc, il faudrait que pause génère pas un out-of-bound exception. Il ne faudrait pas que ce soit quelque chose de négatif. Il ne faudrait pas que ça excède la taille. Il y a aussi une autre condition, puis là, il y a peut-être un petit hint vers le devoir, peut-être. Si LM égale à nul, on va dire, non, je ne veux pas ajouter dans ma liste une valeur nulle, null pointer exception. Si position est négative ou plus grand que
16, on va générer une exception. OK. Fait que là, déjà aussi, ça rend le code qui suit beaucoup plus léger. Quand on code, on dit « Ouf, ouf, je ne vais pas me préoccuper. Est-ce que pause va être trop grand, trop petit? » C'est fait. On est maintenant dans la portion du code où on peut faire ce qu'on a à faire. Donc, il y a des cas spéciaux. Je pense que le dessin que j'ai présentement suggère un cas spécial. Il y a comme une espèce de gap qui a été laissé dans le diagramme. Qu'est-ce que vous me suggérez comme cas spécial? De façon générale, quand je vais ajouter, je vais changer le point next de l'élément qui est avant. Ça, c'est pas vrai si j'ajoute en position 0. En position 0, c'est head qui pointe vers le nouvel élément. Donc, un ajout en position 0 est un cas spécial. Donc ici, j'utilise un code de couleur, là, mais ce n'est pas encore évident dans mon code. Donc, je crée un élément. Puisque c'est mon nouveau premier élément, il n'y a pas d'élément qui va le précéder. Donc, pour le constructeur, previous, je lui donne la valeur nulle. Le suivant, c'est celui qui est présentement le premier. Et une fois que j'ai terminé la construction de cet objet-ci, la création, je sauvegarde ça dans Head. Le dessin ici est assez précis. Si vous regardez ce dessin-là, qu'est-ce qui manque pour compléter l'ajout en position 0? Oui? Donc, l'ancien élément en position 0, lui, évidemment que son précédent était nul, il faut le connecter à l'élément qui est présentement le premier. Est-ce que tu peux me suggérer du Java pour ça? Donc, head m'amène ici. Je suis la référence next, j'arrive dans cet objet-ci, possède une variable previous que je vais changer. Je vais lui mettre la valeur de head, donc ça va pointer au même endroit que head. Oui. At first va avoir le même problème, va devoir créer un nouvel élément, le connecter au suivant. L'ancien élément en position de départ doit être connecté à celui-ci. Donc, on pourrait faire un appel, mais ça va générer, il y a un coût avec les appels de méthode, donc il y aura un coût. Généralement, moi, je le fais pas. OK, donc, head.next.previous égale head vient souder le deuxième élément au premier. OK, donc, mon cas spécial ressemble à ceci. C'est une insertion en position 0. Je crée un nouvel élément, donc un nouvel objet node. Il est connecté à l'ancien premier élément et cet ancien premier élément-là doit être connecté à l'objet qui vient d'être ajouté. Ça marche toujours, ça?
Oui. Ah, peut-être juste ici. Si la liste est vide. Ici, on vient de supposer qu'il y avait un élément, donc head.next.previous, on a supposé qu'il y avait déjà un élément. Donc, ça ne marche pas toujours. Donc, on en est juste au cas spécial, là. On n'a pas fini notre travail. Donc, on veut ajouter en position 0. Forcément, on va transformer head. Head va pointer vers un nouvel objet, node. Celui-ci va pointer vers l'ancien premier élément. Par contre, s'il s'agissait d'une liste vide, ça devient notre nouveau et seul élément. Head and tail pointent tous les deux vers cet objet-ci. Et sinon, on doit souder le deuxième élément au premier. Head.next.previous égale head. Cas général, ça va être quoi les grandes lignes de notre approche? Je vais ajouter à une position intermédiaire. Ce n'est pas la première. Je me suis occupé de la première. Première étape. Oui. On va devoir modifier la variable next de l'élément avant. On va devoir modifier la variable previous de l'élément après le point d'insertion. Mais la première étape, ce serait de trouver la position. Donc, il va falloir qu'on se déplace. On a déjà discuté de l'idée que ce n'est pas super avantageux d'arrêter sur l'élément, là. Donc, on peut s'arrêter à l'élément juste avant le point d'insertion. Donc, disons que j'ai fait ça. Je me suis déplacé jusqu'à pause moins 1 avec P. Pour rendre le code élégant, j'aime utiliser une deuxième variable. Parce qu'on a vu tout à l'heure que les head.next.previous égale à head, là, ça commence à faire tourner la tête. J'aime bien utiliser un point d'ancrage avant le point d'insertion, après le point d'insertion. Donc, P désigne l'élément avant le point d'insertion. J'ai dit maintenant Q égale à P.next, donc Q va désigner la position après le point d'insertion. Donc là, on voudrait peut-être faire, ce qu'on doit changer, c'est P.next. On veut qu'il soit égal à un nouveau nœud, donc new node de E. C'est quoi? Donc, là, on va mettre un LM dedans. C'est quoi son nœud précédent? C'est P. C'est quoi son suivant? C'est Q. OK, donc, c'est assez élégant. Ça aurait été encore plus beau, mais ça prend plus de place sur l'écran si j'avais utilisé les noms before, after. Donc, new node, LM, de before, after. On regarde ça, même pas besoin de commenter, c'est trop clair ce que c'est. Je fais ça, ça me donne le diagramme là. Donc, on voit bien, le nouvel élément qui a été créé, sa variable d'instance previous désigne le même élément que P. Sa variable next désigne le même élément que Q. On a sauvegardé le résultat, la référence de l'objet créé, dans P.next. Diagramme, il a été bien fait. Qu'est-ce qui reste à réajuster? Q.next. Previous,
est égal à quoi? P.next. Encore une fois, si j'avais utilisé before and after, ça aurait été beaucoup plus clair. Ça aurait fait quelque chose comme after.previous est égal à before.next. On lit ça, c'est comme pas mal de l'anglais. On vient de connecter l'élément. Donc, mon cas général va ressembler à ceci. J'ai une boucle, je vais me déplacer, je vais déplacer P jusqu'à la position qui précède le point d'insertion. Je vais initialiser la variable Q de sorte qu'elle pointe à l'élément qui suit le point d'insertion. P.next est égal à new node de P et Q, donc il est connecté immédiatement à ses voisins. Connecte le suivant vers le suivant, vers P.next. Quelle est ma prochaine question? Est-ce que ça fonctionne toujours? Non? Pourquoi? Bien, il y a une réponse simple, parce que tu n'aurais pas posé cette question-là. Mais encore, qu'est-ce qui ne marche pas? Oui, derrière. Si c'est le dernier élément ici, on a supposé qu'il y avait un élément après le point d'insertion. On a fait Q.previous. Si notre insertion, c'était à la toute fin, il y avait, par exemple, l'élément 0, l'élément 1, l'élément 2, puis on souhaitait ajouter à la position 3. Donc, on a dit « ajoute à la position 3 », on s'est déplacé, P est sur l'élément index 2. Quand on a fait Q égale à P.next, Q est égal à nul. Q.previous. Null pointer exception. Bravo. OK. Donc, un petit cas spécial dans le cas général. Si P égale à tel, on est en train d'ajouter en dernière position, à ce moment-là, il faut déplacer tel pour qu'il pointe vers le nouvel élément ajouté. Sinon, bien, on était à une position intermédiaire. On va connecter le suivant vers P.next. Quelle est ma prochaine question? Il n'y en a pas de prochaine question. Voici le code. Wow! Impressionnant, hein? OK, donc si on regarde, il y a un appel à la méthode add, on a passé lm égale à nul, je lance une exception. On m'a passé une valeur pour pause qui était négative ou trop grande, je lance une exception, out of bound exception. On voulait ajouter à première position, parfait, je crée mon nouvel élément. Head pointe vers le nouvel élément. Il se pouvait que c'était la situation où la liste était vide à ce moment-là, head and tail pointe maintenant vers le nouvel élément. Sinon, il y avait déjà des éléments et l'ancien premier élément doit être connecté au premier. Head.next.previous égale à head. Sinon, cas général, je me déplace jusqu'au point d'insertion, mais juste une position avant. Je fais mon ajout, mais je suis prudent. Si c'était un ajout à la toute fin, ce nouvel élément-là devient le nouveau dernier élément, tel égale à p.next. Sinon, il y avait des éléments qui suivaient le point d'insertion. L'élément qui suivait, on doit le reconnecter à l'élément qui a été ajouté. Oui. Oui? Le nouveau élément qu'on crée, quand il est à la fin, on a dit quelque chose qui dit que son previous est égal au dernier élément. Mais ça, c'est dans else, là. Mais si... Il y a un if.
Il était connecté. Quand on l'a créé, lui, on lui a dit, tu es connecté à P. Okay. Donc, c'était au moment où on le crée, lui, on sait déjà quel est l'élément qui le précède. Fait que je vous propose une façon d'implémenter les listes. On élimine tous les cas spéciaux. Comme dans zéro cas spécial. Comme dans il n'y a plus rien de spécial. OK? Comme dans vraiment, il n'y a plus rien de spécial. Ce qui est particulier ou ce qui crée les cas spéciaux, c'est que il y a des cas frontières, il y a des cas. Dans les cas généraux, on est en train de changer le point next de l'élément avant, puis le point previous de l'élément qui suit. Ça, c'est vrai, sauf si on est en train de faire une transformation au début de la liste ou à la fin de la liste. Parce qu'au début de la liste, on va plutôt changer head. Et si c'est à la fin, on va plutôt changer tail. Fait que la technique que je vous propose s'appelle l'utilisation d'un nœud factice ou en latin dominode. Puis en plus, elle va être circulaire, notre liste. Vous allez voir, c'est vraiment pas mal le fun comme implémentation. Donc, le nœud factice, c'est celui-ci. C'est un objet de la classe Node. Il va tout le temps être le premier élément. On ne va jamais sauvegarder quelque chose dans cet objet-là. Jamais. Comme dans « jamais ». Son rôle va être de rendre les traitements homogènes. Dans les cas généraux, on va changer, donc je me mets comme ici. Dans les cas généraux, on va changer la variable next de l'élément qui précède et la variable previous de l'élément après. Mais regardez, maintenant, avec cette implémentation-là, quand je fais des modifications au début, je vais modifier la variable next de l'élément qui précède et la variable previous de l'élément qui suit. Ah! C'est comme dans le cas général. On va regarder à la fin. Si je fais une modification à la toute fin, je vais modifier la variable next de l'élément qui précède et je vais modifier la variable previous de l'élément qui précède. Donc, c'est homogène. Tout le temps, quand je fais une modification à une position, ce sera pour changer le next de ce qui était avant et le previous de ce qui est après. Ça va être vrai au début, au milieu, à la fin. Ça va être vrai quand la liste est vide, quand la liste contient des éléments. Tous les cas spéciaux disparaissent. Donc, au début, ça a l'air super étrange comme babite, comme bête, mais vous allez voir que quand on s'y fait, le code est hyper compact. Il n'existe presque pas de cas spéciaux. Donc, le nœud factice, c'est le premier élément. Puis pour que tout ça fonctionne bien, la liste est aussi circulaire. Qu'est-ce que ça veut dire? Elle est en fait doublement circulaire. Donc, le dernier élément de la structure, son next pointe vers le nœud factice. Le nœud factice, son previous, c'est le dernier élément.
il n'y a généralement pas de variable tail dans l'en-tête de la liste. Vous voyez pourquoi? Qu'est-ce que tail? C'est celui qui est avant le premier. C'est previous the head. On s'en va à la fin. Donc, ce sera, si on peut éliminer cette variable-là, nos traitements vont être beaucoup plus simples. J'efface à nouveau. OK. Disons que je veux ajouter un élément. Ah non, je suis allé un petit peu trop vite. OK. Donc, ça ressemble à ceci comme implémentation. Puis, je vais aller sur l'ordinateur pour vous montrer ça aussi. Donc, je branche l'ordinateur au podium. Donc, voici mon implémentation de la classe LinkedList. J'ai une classe imbriquée. Dans ce cas-ci, c'était une journée impaire, donc elle s'appelle LM, au lieu de Node. Donc, évidemment, il y a Previous et il y a Next. C'est doublement chaîné. Mon constructeur affecte à la variable d'instance previous, ce qu'on reçoit ici, et à la variable next, la valeur du paramètre next. J'ai une variable d'instance head. Puis là, ce qui m'intéresse, c'est de créer le dummy node. Parce que, vous souvenez que la liste vide, la liste qui ne contient aucun objet a un dummy node, un nœud factice. Donc, lorsqu'on fait new linked list, on doit avoir le nœud factice. Ma question, puis c'est une question, si vous regardez les examens des années précédentes, comment est-ce qu'on crée le nœud factice? Il y a vraiment beaucoup d'étudiants qui ont perdu des points là-dessus. Des bons étudiants, en plus. OK. Je vous propose une implémentation. NewLM. Le nœud factice sauvegarde jamais des éléments. Et on souhaite que previous pointe vers head et next pointe vers head. Qu'est-ce que vous pensez de mon implémentation? Marche-tu ça? Moi, je peux vous dire que le compilateur est tellement intelligent là-dessus qu'il va vous dire au moment de la compilation que ça ne marche pas. Regardez bien ça. Nouvel objet de la classe LinkedList possède une variable d'instance head, une variable d'instance size à laquelle il y a la valeur 0. Dans mon constructeur, je crée un objet de la classe LM et je lui affecte la valeur présente de head. Quelle est-elle? Nulle.
j'affecte à previous la valeur courante de head, qui est nulle, et je dis head égale à ça. C'est pas vraiment ce qu'on recherchait. C'est pas très difficile à corriger, là. OK, donc ça ici, c'est exactement comme si on avait fait ça. Parce qu'au moment où on a créé cet élément-là, la valeur de head, c'était nul. Comment est-ce qu'on corrige ça? Head.next est égal à head. En fait, si on revient en arrière un tout petit peu, juste pour voir que effectivement, je ne vous ai pas menti. Si on va dans un terminal, que je le mets plus gros, on s'en va sur le bureau, puis on essaie de compiler ça. Java C linked list. Il me dit, hey, head n'a peut-être pas reçu encore une valeur. C'est pas l'idée du siècle, ton affaire. Ça ne marche pas. On corrige ça. On dit ici, c'est nul pour next. Head.next est égal à head. Head.pre, dans ce cas-ci, j'ai appelé ça previous au complet. Donc, previous est égal à head. Compile ça. Bravo, ça marche. OK. Donc, on a réglé le cas de comment créer le nœud factice. OK. Je veux ajouter un élément à la toute fin. Je vais commencer par le cas général. J'aimerais avoir une référence sur l'élément avant le point d'insertion, puis cette fois-ci, pour que ce soit lisible, je vais appeler ça « before ».« Before » est égal à quoi? Je veux ajouter à la fin de ma structure chaînée. « Before » est égal à « head »?« Point previous ». Oups, là. Je vais aller un petit peu trop vite. Before est égal à head point previous. Donc, head, c'est ça. Point previous, c'est ça. Donc, before point là. Je veux une référence vers l'élément qui suit le point d'insertion. After est égal à quoi? Head. Dans toutes les quand on a fait une insertion, quand on aura fini, l'élément qui suit le dernier élément, c'est le nœud factice lui-même, c'est head. Pour faire mon insertion, before.next est égal à new node de E pour mettre un LM. Son élément avant, c'est before. Son élément après, c'est after. Bonne idée de dessiner la chose. Donc, je viens de créer un nouvel LM. Okay, donc, on a after va pointer là. Donc, on vient de créer un nouveau LM. On a dit que
Son prédécesseur, c'était before. Son successeur, c'est after. On a sauvegardé ça dans before.next. Donc, il est connecté là. Qu'est-ce qui manque à mon diagramme pour terminer la chose? Avec les noms que j'ai définis ici, after.previous est égal à before.next. After.previous est égal à before.next, le nouvel élément. Ça, c'est mon cas général. 1, 2, 3, 4 énoncés. Est-ce que ça marche si c'est vide? Before est égal à head.previous. Où est-ce que ça pointe? Head.previous pointe vers head. Donc, before va pointer ici. After, c'est head. After va pointer vers head qui est ce truc-ci. On va dire before.next est égal à new node dont le prédécesseur est before et son successeur est after. Le résultat, on l'a sauvegardé dans before.next. Il nous reste une chose à faire, c'est after.previous est égal à before.next. Ces quatre mêmes énoncés-là fonctionnent que je sois au début, à la fin. On aurait voulu ajouter à une position intermédiaire. On se déplace jusqu'à l'élément qui est avant le point d'insertion. On dit « before » est égal à ça, « after » est égal à l'élément qui suit. On fait « before.next » est égal à « new node », dont le « previous » c'est « before », le successeur c'est « after ». On réassigne « after.previous » pour pointer vers le nouvel élément. J'ai implémenté « add » au début, à la fin, position intermédiaire, avec quatre énoncés. Ouais. Oui, super bonne question, question fondamentale. Est-ce que ça, ça compte comme une position? Non, c'est un détail d'implémentation. Pour le reste du monde, ils utilisent notre implémentation. Ceci est 0, 1, 2. 0, dans l'autre cas, il n'y en avait pas. De l'extérieur, ce n'est pas de leurs affaires qu'on a utilisé un objet nœud factice en début, ça ne les regarde pas. On a fait ça parce que on est intelligent, puis qu'on a voulu retirer les cas spéciaux. Donc, effectivement, OK, donc, si j'ai une méthode add, on vient de dire que fallait faire quelque chose comme node. Est-ce que c'est node ou CLM? CLM dans ce cas-ci. C'est mélangeant. LM de E. C'est-tu des E? Oui. Before, after. On vient de dire before, c'est égal à head.previous. After, c'est égal à head. Before.next est égal à new LM de E où on dépose object.
Son précédent, c'est before. Son suivant, c'est after. Il nous reste un seul lien à modifier. C'est after.previous est égal à before.next. Est-ce que ça, ça compile? Évidemment. Puis là, si on avait voulu plutôt faire ajouter à la position pause, il aurait fallu se déplacer. Donc, on aurait pu positionner before sur head. Donc là, head désigne le demi-node. Ce n'est pas un élément qui fait partie de la structure. Ensuite, je me serais déplacé. Int i est égal à 0. I est plus petit que pause. I plus plus. Ici, puisque j'ai commencé sur un élément avant, je ne m'arrête pas à pause moins 1. On a artificiellement ajouté un élément. Before est égal à before.next. À ce moment-ci, after va être égal à before.next. J'ajoute mon élément. Il n'y a jamais de cas spéciaux. Pour autant que c'est valide. Donc, si pause est plus petit que 0 ou pause est plus grand que 16, il va falloir lancer l'exception. Évidemment que dans tout ça aussi, il me manquait une chose importante pour laquelle j'aurais retiré des points à l'examen. Il faut mettre à jour 16. Donc, vous pouvez jouer avec ça. La liste était vide. Elle contenait plein d'éléments. J'ai ajouté au début, j'ai ajouté aux positions intermédiaires, j'ai ajouté à la fin. Zéro cas spéciaux, ça marche tout le temps. OK, donc au prochain cours, on va faire quelque chose qui est pas mal de fun. On va accélérer une méthode pour traverser la structure. Bon week-end. N'oubliez pas l'échéance pour le devoir 3 lundi. Devoir 3. 4. Devoir 3 plus 1.